Vous êtes de retour dans Question pour un champion et vous avez bien raison. Attention, moment important, c'est le face-à-face maintenant entre Frédéric et Didier. Didier, enseignant en vente en espagnol, également en vente en espagnol, il nous l'a expliqué tout à l'heure. Parmi ses points forts, le sport. Très beau 4 à la suite, à l'instant, 3 points. Incroyable moment de suspense, Frédéric. Hein. Tout le monde a 3 points, oui. Ça c'est rarissime. Il a fallu vous départager avec ce jeu décisif. Frédéric, surveillant pénitentiaire, point fort entre autres le sport, et Frédéric qui joue pour une 4e victoire. Ça c'est beau. 4e victoire ce soir dans Question pour un champion. Vous êtes, Frédéric, à 2 marches désormais. 2 marches de la cagnotte qui est ce soir à 13 900 euros. 13 900 euros. 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier qui arrivera ce soir à 15 points sera sacré champion. De beaux cadeaux, certes, mais ceux pour le gagnant sont encore plus beaux. Voilà l'enjeu et la stratégie aussi très importante, la stratégie audace, prudence. Nous allons voir quelle stratégie choisissent nos deux candidats de ce soir, Frédéric et Didier. Première question, sport. Sport, ça c'est pour vous, juste pour vous, vous qui jouez avec nous ce soir à Question pour un champion, et merci beaucoup d'être avec nous. Didier, à vous de me dire si vous gardez la main. Je garde la main. Top, équipement sportif, dont le nom traditionnel désigne aussi une unité de surface étrangère. Je suis disposé afin de former un tapis de 2 couleurs différentes en compétition, comprenant une aire de combat et une zone de sécurité, généralement en mousse. Frédéric. Un dojo? Non. Top, généralement en mousse, c'est revêtu. Le tatami? C'est oui. Le tatami, oui, oui. C'est ça. Et c'est Didier qui ouvre le score, 3 points. Et maintenant, la main à Frédéric sur cette question de culture générale. Ça, c'est juste pour vous, Frédéric. Je prends la main. Top, genre cinématographique né aux États-Unis, je suis, selon certains spécialistes, apparu en 1929 avec l'adaptation à l'écran de The Broadway Melody, né avec le cinéma... Frédéric. La comédie musicale? Oh, c'est magnifique. Frédéric, très fort, 4-3, mais Didier n'a pas dit son dernier mot. Géographie. Je prends. Indice, Didier a pris la main, attention. Top, ville, ayant été la capitale d'un royaume gouverné par les Bourbons à partir de 1734. J'ai été fondée au 5e siècle avant notre ère par les Athéniens et les Chalcidiens. Cité italienne comptant actuellement plus d'un million d'habitants. Je suis située sur la mer Tyrrhénienne et ma baie mondialement connue est bordée par le volcan du Vésuve. Ville. Naples. C'est oui. C'est oui, c'est Naples, ville du sud de l'Italie. Et hop, 2 points de plus pour Didier, une question art. Voici l'indice, c'est maintenant à Frédéric de me dire s'il garde la main. Je prends la main. Top, artiste né en 1878, dont le Musée national d'art moderne à Paris conserve un ensemble de 5 de mes architectones. Je débute... Frédéric. Picasso, non. Non, la main à Didier. Top, je débute en peignant des toiles d'inspiration impressionniste et fauviste avant de m'orienter vers l'art abstrait. Peintre russe. Kandinsky. Non. Top, créateur du suprématisme. J'ai effectué de nombreuses recherches sur les formes et les couleurs, notamment avec mes célèbres œuvres. Carré noir sur fond blanc, carré blanc sur fond blanc. Je suis... Malevitch, tout à fait, Frédéric, mais la main était passée. Animaux, nous cherchons un animal. Un animal, voici qui va peut-être vous mettre sur la voie. Que fait-on, Didier? Je prends la main. Top, animal dont il ne subsiste en France que 2 espèces indigènes, c'est la patte rouge et c'est la pied blanc. Mes espèces exotiques sont aujourd'hui largement présentes dans les cours d'eau de l'Hexagone, faisant l'objet de l'élevage appelé astaciculture. Frédéric. L'écrevisse. Oh, c'est ça, l'astaciculture. 7-5, très beau match, très beau face-à-face ce soir entre Frédéric et Didier. Sciences et techniques, voici le thème de cette question. Voici votre indice. Frédéric. Je prends la main. Top. État de la matière lié à la supraconductivité et à la superfluidité. Ma production permet notamment de contrôler et de ralentir les réactions biochimiques et les processus biologiques. Maîtrisé par l'homme à partir du 19e siècle, j'ai permis la liquéfaction des gaz. Et mes diverses techniques de production sont appelées cryogénie, provoquant une sensation qui déclenche une réponse thermorégulatrice de la part du corps humain. Le frisson? Non, la main est passée. Top. Opposé à la chaleur. Le froid. Je suis le froid. Bon, c'est vrai qu'avec ces derniers indices, c'était plus facile. Un point de plus pour Frédéric. Littérature. Amateur de littérature, de lecture, voici qui va peut-être déjà vous mettre sur la voie.
Que fait-on de cette question littérature, Didier ? Je prends la même. Top ! Figure de rhétorique dont le nom est issu du grec signifiant simplicité. Je suis, selon André Gide, ce vers quoi tend le classicisme tout entier. Contraire de l'hyperbole, voisine de l'euphémisme. J'atténue l'expression de la pensée pour faire entendre le plus en disant le moins. Frédéric. La main est passée. Attention, pas d'indice pour Didier. Top ! Formule dont la Didier. La litote. La litote, c'est un magnifique match. Magnifique match ce soir dans Question pour un champion. Et c'est 2 points de plus pour Didier. Regardez, 8-7. Magnifique match. Religion. Indice. Frédéric. Je prends la main. Top. Dieu engendré pour être la sentinelle du bain que ma mère, la déesse Parvati. Je suis bien que d'ordre secondaire très vénéré dans l'hindouisme en tant que maître Frédéric. Shiva. Non, la main passe. Top, maître des obstacles veillant à la bonne marche des affaires. Dieu dont le père Shiva trancha la tête. J'ai reçu à la place la tête du premier animal qui se présentait, qui fut un... Frédéric. Ganesh. C'est ça, qui fut un éléphant. Qui fut un éléphant. Ganesh, Ganesha également. Deux précieux points pour Frédéric. 10-7, une question de botanique à présent. Et maintenant, c'est Didier qui a la main. Je laisse la main. Top, partie d'un végétal. Je suis appelé arceau en Île-de-France, co dans le Bordelais, couet également, courger, dague en Anjou, tige. Frédéric. J'allais dire tige. La main passe. Top, tige flexible d'un arbrisseau de la famille des Vitacées que l'on taille notamment au printemps pour sélectionner la récolte future. Je vois alors goûter la sève à mon extrémité. Jeune pousse d'un cèpe de vigne dont l'écorce s'est lignifiée, passant du vert clair à une couleur brunâtre. Je suis... Frédéric, vous l'aviez. Un sarment. C'est ça, vous l'aviez. Et une nouvelle question de santé médecine à présent. Votre indice qui s'est affiché en bas de l'écran est Frédéric. Je prends la main. Santé médecine donc, attention. Top, manifestation cutanée dont l'un des noms a été en partie formé sur un mot grec signifiant à cause de. Je touche essentiellement le visage et le thorax de façon symétrique. Fréquente chez les personnes à peau pâle, cheveux blonds, roux. Je consiste en de toutes petites taches de couleur beige, jaunâtre, brunâtre. Manifestation Frédéric. Les taches de rousseur ? Les taches de rousseur, oui, c'est ça. Vous l'aviez, Didier. 12-7. Attention, Didier, vous faites une très belle partie. Mais Frédéric n'est qu'à 3 points. 3 points d'une 4e victoire ce soir dans Question pour un champion. Musique. Question musique à présent. Didier, je prends la main. C'est pour vous et vous gardez. Top, guitariste, chanteur, né à Seattle en 1942. J'ai débuté en jouant pour Little Richard, à qui j'ai emprunté l'extravagance, ce Didier. Buddy Holly ? Non. Top de mon style vestimentaire. M'installant à New York, puis en Angleterre en 1966, j'impressionne public et musiciens avec mes solos puissants, saturés. À l'occasion, jouer avec les dents. Jimi Hendrix. Et oui, oui, avec les dents, les solos, les célèbres solos de guitare de Jimi Hendrix. 2 points de plus pour Didier, qui se bat, qui est toujours dans la course. Culture générale. Voici le thème de la question. L'indice est affiché et Frédéric me dit... Je prends la main. Top, fête, servant de cadre à la pièce L'esprit de famille d'Éric Assous, créé au théâtre en 2011. J'ai réuni les amis, la famille pour un buffet. Frédéric. La fête des voisins ? Non, la main passe. Top, ou une soirée, selon les goûts, venant d'une tradition ancienne, je dois mon nom à une tige de fer munie de cran qui servait à suspendre un récipient dans la cheminée et qui était, Didier ? La pendaison de la crémaillère. Eh oui, la pendaison de la crémaillère, la tige de fer. Oula. Ça, c'est beau, parce que ces 3 précieux points permettent à Didier de revenir à égalité avec Frédéric. 12-12, télévision. Voici l'indice juste pour vous. Maintenant, c'est à Didier de me dire s'il garde la main ou pas. Je vais prendre la main. Stratégie très importante, puisque cette question peut être décisive. Attention. Top, feuilleton français, qui fut le premier à être vendu à l'étranger. J'ai inspiré son nom à un groupe de rock anglais. Diffusé par l'ORTF en 1965, j'ai été tourné dans les Alpes avec le comédien Edmond Beauchamp dans le rôle d'un vieux berger, évoquant l'amitié entre un petit garçon orphelin, incarné par Mehdi, et son gros chien. Belle et Sébastien. Belle et Sébastien, oui. Et c'est 14 points. Ça n'est pas gagné encore. 2 points de plus. Question gastronomie. Voici votre indice, vous qui suivez ce très beau match ce soir entre nos deux finalistes, Frédéric Gastronomie. Je prends la main. Top, spécialité gastronomique m'accordant bien avec un vin comme la manzanilla. Je suis apparu en Andalousie au 19e siècle, pouvant parfois tenir lieu de repas. Frédéric. La paella. Non.
top. Je rassemble notamment des cubes de jambon, des poivrons rouges, des calmars, des crevettes grillées. Les tapas. Les tapas. Et oui, c'est ça, les tapas. Et Didier, lui aussi très sportif, vient saluer Frédéric. Didier, professeur de vente, professeur d'espagnol, bien sûr, il a fallu que la dernière question soit justement sur ce plat espagnol, les tapas. Et je tiens à féliciter effectivement Frédéric. Frédéric qui a fait un très très bon parcours. On peut les applaudir tous les deux. Frédéric, je vous serre la main. Oui. Parce que ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci. Avec votre culture incroyable, avec votre sang-froid aussi. Un grand merci. Didier, première victoire ce soir dans Question pour un champion, je vous félicite. Didier, première victoire ce soir. Et donc cette somme pour vous, 500 euros. 500 euros, on peut en rester là, on peut continuer, tenter une deuxième victoire. Cette fois, ce sera pour 1000 euros. Demain, mardi, vous êtes à 4 marches de la cagnotte désormais, qui est à 13 900 euros. Didier, est-ce que vous allez revenir demain, mercredi? C'est une décision qui vous appartient. 5 secondes. Didier, serez-vous avec nous demain mercredi? Je serai avec vous. Didier avec nous demain. Un grand merci à Frédéric, ce magnifique joueur qui nous a accompagnés pendant 4 parties. Le 19 va dans un instant. Passez une très bonne soirée sur France 3. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous retrouve avec grand plaisir demain, 18h10. Bonne soirée.